Le jour de ma mort, je me suis réveillé dans un corps qui était le mien. Mais dans une époque qui n'était pas la mienne. Où sommes-nous ? Vous êtes dans le centre de contrôle cinématographique. On gère les incohérences historiques, les faux raccords et les libertés absurdes prises par certains réalisateurs. Et notre travail, c'est d'empêcher la création de ces anomalies. Vous êtes notre meilleur agent. Votre prochaine mission est d'infiltrer le film Napoléon et d'y détruire les incohérences historiques avant que le film ne sorte au cinéma. Bonne chance. J'ai Napoléon en visuel. Je détecte que Ridley Scott a fait quelques erreurs historiques. Ça n'a aucun sens. Dracarys. C'est pire que ce que je pensais. Faites-moi sortir d'ici, et je vous envoie directement dans un autre film. Seigneur des Anneaux. Il n'y a pas d'incohérence ici, mais il y en aura dans Bilbo. Je me réveille encore, voyageant de film en film, ne sachant plus si je suis le personnage ou un agent en mission. Anachronisme détecté, on a besoin d'un agent. À chaque fois que tu meurs dans un film, tu perds un peu plus la mémoire. Mais souviens-toi, tu travailles ici depuis des années, essayant de garantir une cohérence scénaristique pour chaque film. Pourquoi dans Fight Club il y a toujours plus de combattants alors que la première règle c'est de ne pas parler du Fight Club. Dans Toy Story, Buzz l'éclair pense qu'il n'est pas un jouet, mais il se fige dès que quelqu'un rentre dans la chambre. Ce n'est pas logique. Et dans Citizen Kane, on connaît les derniers mots de Charles Foster Kane alors qu'il est mort seul. L'ordinateur a détecté une incohérence dans notre propre film. L'incohérence, c'est moi. Dans tous les autres films, je meurs. Mais pas dans celui-là. Être ou ne pas être. Tel est mon fardeau.